Oh ben Adixia, on est devenu Bruno. Bonjour Jim. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Au jour d'aujourd'hui. Je te présente Sabrina. Enchantée. Marie nous a quittés parce qu'elle est attendue chez Énergie. Tu la connais on en plus, croisés, ouais, on s'est connus à l'époque d'Énergie, des plateaux, tout okay. ça. Donc, je te présente Adixia. Enchantée. Tu vas voir, elle est très jolie, elle est adorable, elle est très mignonne. Je peux peut-être te donner son numéro après l'émission. Ça va, si ça passe. Bon, allez, blague à part. T'es pas stressée d'être avec nous, c'est une grande première quand même pour vous de partager un plateau. Alors ensemble. Là, je peux t'assurer que c'est une grande première, vraiment. On a partagé des plateaux repas, mais pas des ouais, plateaux. Ouais, mais ça va, c'est cool. C'est... Voilà. Puis là, t'es là, donc c'est... Et ça alors, ça vient d'où ce changement? Ça vient d'où cette envie de peut-être partager plus de moments ensemble? Non enfin, comment t'expliques? Comment je veux dire ça? Je pense que c'est plutôt aussi parce que ça dépend des sujets. C'est ce que j'expliquais un petit peu en off. Quand ça touche un peu à la télé, tout ça, moi, j'essaie d'être en retrait. Quand ça touche un petit peu à mon secteur, là, je suis là. Est-ce que la visibilité, ça vous aide pas un petit peu? Comme pour vous faire reconnaître, enfin, t'as pas besoin de ça, vraiment. Alors, peut-être pour elle, oui. Tu as pensé? Moi, ouais. Pour elle, oui. Pour moi, toi, c'est non, pas... Pas vu le cursus que je fais depuis des années, c'est plus sur ce que je réalise en musique que sur ce que je fais sur l'ombre. Bah, c'est mon personnage, donc voilà. J'essaie de le maintenir. Mais en tout cas, nous, on est très heureux de vous avoir tous les deux parce qu'on va pouvoir porter votre voix à notre échelle, à notre petite échelle, parce que c'est un message très important. Et puis, on veut aussi apprendre de vous par rapport à cette crise sanitaire et à ce monde de la nuit qui est complètement bloqué depuis 6 mois. Mais juste avant, histoire de se mettre en jambes, j'ai quelques petites questions. C'est votre interview première fois. Alors, Jim, Adixia, mais non, je vais m'adresser à Jim, parce qu'Adixia, je te pose beaucoup de questions quand même. Jim, la première fois que tu as vu Adixia à la télé, tu t'en souviens? Je pourrais pas te dire l'année, mais je l'ai vu qu'une seule fois à la télé. En 2013. Parce qu'en fait, tu crois? Parce qu'en fait, je la connaissais de Facebook, d'avant. 2011. Moi, je mixais à Ibiza tous les ans, donc je suis parti à Ibiza avec mon pote Chris, que tout le monde connaît. Et en revenant d'Ibiza, Chris me dit « Mais attends, c'est pas la meuf avec qui tu parlais sur Facebook ?» Et je fais « Ah ouais ?» Et en fait, elle était dans la première édition, je crois, des Ch'tis. Ouais, voilà, des Ch'tis. Et c'est là où je l'ai vue. Et moi, je regarde pas la télé, donc c'était vraiment la seule fois où je l'ai vue. Et vous êtes restés amis, c'est ça, via les réseaux sociaux? Même pas, parce qu'après, cette fois-là, quoi, dès que tu rentres en télé, moi, je sais que les gens, ils disparaissent. Donc du coup, je savais qu'on allait plus jamais se reparler, c'était le cas. Tu m'écrivais de temps en temps, mais je te répondais oui, mais pas pour tout les... le voilà, temps. Et on se répondait une fois tous les 6 mois, moi, j'étais en date, voilà. Elle faisait ses trucs. Et puis en fait, à un moment, il s'est passé que... On faisait pratiquement les mêmes dates l'un derrière l'autre. C'est-à-dire genre, que moi, j'allais dans... Très bien, ça tombe la première fois que vous vous êtes rencontrés, tiens. Ouais. C'est ça que t'allais dire. Bah, en fait, quand on allait dans un club, je voyais ses flyers à lui, de Lumberjack, et lui, il voyait Pagadix à l'époque, tu vois. Ah, oui. Donc, on se croisait à chaque fois. La première fois qu'on s'est rencontrés... Ah, mais c'était à Amsterdam. Amsterdam, parce qu'en en fait, tous les ans, au mois d'octobre, il y a l'ADE. Et du coup, c'est pour les rendez-vous pour les artistes. Et du coup, on s'est rencontrés là-bas. Et lui, il ne m'avait pas vu, c'est moi qui l'ai dit. Ouais. Et le premier « Je t'aime », ça, normalement, on l'oublie pas. Qui l'a dit? À quel moment? Je m'en rappelle. J'avoue que ça, on ne s'est jamais posé la question. Non, mais c'est vrai, on ne s'est jamais posé. Je crois que qui a chiné qui? Voilà, on va être direct. Qui est... ça, c'est, pas... c'est moi qui ai chiné toi. En fait, c'est moi qui ai été plus... Il y a présomption d'innocence parce qu'on était à Toulon. Et c'était, je sais plus, il y avait un truc comme ça. Et en fait, on a commencé à reprendre contact parce qu'il y avait eu un calme, en fait, je pense, au niveau des deux parties. Médiatique. Comment? Un calme médiatique, tu veux dire? Un calme, dans la vie, moment de, où les dates se calment un petit peu, puis ça va pas de ouf, et voilà. Et puis en fait, c'est à partir de là où on a discuté. Ok. Est-ce qu'il y a eu une première fois où vous avez failli rompre? Ah, bon, oui. Je sais, bon. Failli rompre, non, mais failli moi, je te laisse prendre la tête, oui, on s'est pris la tête. Oui, on s'est beaucoup pris la tête. Bien sûr, on traverse tous des histoires comme ça, des moments où on se dit, bah, c'est terminé, je veux passer à autre chose, tu l'as vécu, je l'ai vécu, et ça renforce. Ça renforce, mais des fois, ça fait poser des questions aussi. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui sont un peu délicats, surtout dans ce qu'on disait, dans le milieu un peu médiatique. C'est
Il y a des choses qui reviennent et qui refont toujours surface tous les 2-3 mois. Ouais. Je vais pas rentrer dans les détails. Le même prénom, toujours le même prénom qui sort en fait depuis 3 ans. Voilà, et c'est embêtant. Quand... Parce que moi, j'en parle pas, je m'en fous de tout ça, mais quand ça revient et que ça pousse... Pourquoi ça revient, c'est que c'est l'ex en question. Bah, de son côté à lui, je sais pas si ça, mon prénom revient à chaque fois, mais en tout cas, de mon côté à moi, les gens n'arrêtent pas et c'est embêtant. Et même dans la rue, ils respectent pas. Quand on se promène, il y a toujours ce prénom qui sort. Encore, ça, c'est pas... Attends, vous pas... êtes tous les deux, t'entends le prénom de son ex dans la rue. Toujours, bien sûr. Parce que les gens sont restés focus dessus, vu que moi, parce je suis moins médiatisée. Parce que moi, j'ai pas eu après ensuite plusieurs petits copains, tu vois. Lui, il a eu plusieurs petites copines, on va parler comme ça. Mais les gens ont oublié un peu, tu vois. Mais moi, de mon côté, ils sont restés focus sur Paga, quoi, tu vois. Ouais. Donc, ça a beaucoup posé de problèmes dans notre couple. Ça va bien maintenant, au moment où on parle. Oui. Bon, c'est des phases, c'est la vie, c'est comme ça. Et enfin, la première fois que t'as vu Adixia mixer sur scène. C'était la date, une date où je l'accompagne. Aïchouks, une date où je l'accompagnais, c'était, moi, elle était à Aix, moi j'étais à Paris, je l'ai rejoint à Bordeaux, c'est une heure de Bordeaux, et c'est là où je l'ai vu mixer pour la première fois, seule en plus. Seule parce que je venais d'arrêter Pagadix, et moi j'avais pas l'habitude de jouer seule, donc mon premier show, seule, j'étais très stressée parce qu'il me regardait. Non mais vous deviez être deux. On devait être deux, et au final j'étais seule. Il n'est pas venu. Donc voilà, c'était la première date.